Qui travaillent sur le texte à Lula. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Le texte, c'est un Algérien qui l'a écrit. Il a écrit pour un peuple en Algérie. Et aujourd'hui, le spectateur algérien n'a pas eu l'occasion de voir ces deux dernières pièces. Et nous, déjà, par un premier temps, on va essayer de passer le message, parce que je pense que c'est le droit le plus absolu au spectateur algérien. Je fais de l'art parce que déjà j'aime ça, et après si le texte est politique, il l'est, parce qu'il raconte il raconte la réalité d'un pays ou la réalité d'une société. Ça fait combien de temps que vous répétez là cette pièce en vérité? Sérieusement, je cherche absolument. 6 mois. On a eu un mois de congé. Un mois de congé? Quand? On n'a pas un mois, c'est 20 jours. C'est 20 jours. Entre les lectures à l'italienne et la mise en scène. Ça a duré 2 mois. Deux mois et demi, je pense. Vous étiez tous ensemble? Il y avait qui? Il y avait juste vous quatre, les acteurs? Il y avait l'assistant du metteur en scène. C'est Ralem Bach, lui. Moi et les quatre comédiens. Pendant combien de temps lecture? Juste la lecture du texte? La lecture du texte, la recherche des intonations, la recherche des personnages. C'était compliqué ça, cette partie-là? On va passer le message. Moi j'espère bien que Aloula est en train de m'entendre maintenant. Je lui dis, j'aimerais bien quand Aloula vient maintenant, je lui dis une phrase, tout à fait, on suit. Toi, t'as ouvert la voie. Ouais, toi t'as fait, et nous, on suit. Ça fait plaisir. J'ai de la chance. Ça fait plaisir de jouer avec des gens comme ça, Amimi, Mustapha, Salim, Jamil, Ranem. Encore, c'est ma famille, c'est ma deuxième famille. Ils s'inquiètent pour moi. Ça fait plaisir. هادوك يشحضوا فيس ينجح ولد الجنرال اللي امه جنرال ياكلك في اون جنرال جام يكون جنرال زوان رخيص لاولاد لا بوليس باباهم مات خلاهم في لافيس دول بابلان زيد بابلان هي انا والروح Babylon, Zidu Babylon, hey, là on est au 19 rue de Mostaganem, c'est la maison où habitait Abdelkader Al-Houda.